Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 11e épisode dans Let's Play sur Ninaki. Dans l'épisode précédent, on a retrouvé Zale qui est complètement fou, qui voulait devenir le diable de la nuit. Alors ça devait être un grand meurtrier auparavant. Ensuite, on a Léo, le fils de la reine, je crois, qui est un peu bizarre. Il nous met la pression, donc voilà. On a amélioré nos armes chez l'alchimiste, maintenant on peut le faire. Et là, on est parti pour une nouvelle quête. Il y a des femmes qui disparaissent. Donc on va essayer de les retrouver. Que fais-tu ici? L'un des égarés était un enfant. Un enfant! Je ne pardonnerai jamais à ce monstre. Tu feras mieux de ne pas tuer notre suspect. Oui. Il y a quelqu'un? Hi, hi. Bien, vous... Oh. Attendez, vous n'êtes pas... Qui êtes-vous? Des gardiens. Nous aimerions toucher un mot. Yeah. Eh bien, moi pas. Au revoir. Étrange. Quelque chose me dit que nous ferions mieux de rester dans le coin. Ouais, j'ai l'impression qu'il attendait de la compagnie. Attendons de voir ce qui se présente. Tellement bien caché derrière le petit les petites caisses. Il y a quelqu'un? Je n'entends rien. Ça te plaît de me faire attendre, pas vrai? Bon, je dois y aller. Je sais que tu seras capable de gérer la situation sans moi. Suivons-le. Et maintenant? Reste ici et surveille. Je vais suivre Jutta. Ça ira. Dépêche-toi ou tu vas le perdre de vue. Oh, on est dans un RPG, ma petite Mayura. Normalement, je pense que quoi qu'il arrive, je devrais le retrouver. Tout en discrétion. Ouais. Et qu'est-ce que cet homme t'a dit? Hein? Il a dit qu'il cherchait une femme de chambre. Il m'a demandé si ça m'intéressait de travailler pour lui. Oh. Ouais, mais j'ai déjà un boulot. Alors je lui ai dit non. Pourquoi tu me demandes ça? Sans raison particulière. Il doit cacher quelque chose dans cette maison. Nous devrions jeter un coup d'œil pendant son absence. Go, go, go! Allons fouiller sa maison. Bon sang! Où est Mayura? Il n'y a personne ici. Peut-être qu'elle est partie suivre le type de tout à l'heure. Tu sais, il y a juste une dame derrière toi, tu pourrais lui demander, tiens, est-ce que t'as vu Mayura par hasard? Parce qu'une femme qui se cache derrière une caisse, c'est visible, normalement.
c'est ouvert. Je suppose que je dois remercier Kushi pour cette enquête. Quel est cet endroit? Ça sent de l'alchimie bizarre là-dedans. T'as un nécromancie? Il y a plus qu'à se ici pour prouver sa culpabilité. Il y a quelqu'un, Kagashi. Qui? Une des égarées dans cette pièce. Qui es-tu? Je m'appelle Emilia. J'étais la femme de Juta. Pourquoi n'es-tu pas encore passé de l'autre côté? Tu as tant d'affection que ça pour ton mari? Je veux l'arrêter. Que veut-il faire? Mon mari a l'intention de me ressusciter. Il ne reculera devant rien. Pas même voler des vies innocentes. Je vois. Je vais l'arrêter. Et je vais m'assurer qu'il te laisse partir aussi. Il devrait y avoir un accès au sous-sol quelque part dans la maison. Emmenez-moi avec vous et je vous conduirai à son laboratoire. Entendu. Ça part d'un bon sentiment, mais bon. M'a promis, il n'y a pas de laboratoire secret caché derrière mes bibliothèques de manga, mais... Non. On reprend Aisha. C'est vrai que j'ai utilisé des petites popos. Ils sont tout mignons les petits monstres. Bon, j'ai un peu de chance à chaque fois, je tombe sur les voleurs de vue, mais...
Avec une nouvelle arme pour Will. Un nouveau monstre. Mais je sais pas où aller. C'est quoi la bonne route, les gars? La zone a l'air tellement immense. Je vais revenir en arrière. En tout cas, ouais, la zone a l'air très très grande. Oh, le beau fail. Là, il fait pas trop de dommages, hein, mais... Un petit niveau de plus. Alors, globalement, ça monte quand même assez vite, hein, les niveaux. Nouvelle arme. Là, est-ce que c'est pour Fudo Guri 45? Donc elle est moins forte que mon arme là, je crois. Non, je suis à 43, mais j'ai des capacités en plus.
Alors je sais pas ce que vous pensez du jeu, mais moi je le trouve quand même très très cool et je trouve un peu bah, l'univers qu'on a découvert dans Ayam Setsuna. Là, j'ai pas compris l'intérêt du la première petite boule au final, sachant que je pouvais progresser. Voilà, ça avait pas vraiment intérêt. Ça nous a juste fait revenir un peu en arrière, mais rien de folichon. Tu es un gardien? Je suis heureux de t'avoir rencontré. Je veux que tu me tues. J'ai recours au crime pour le bien de ma famille et j'ai été exécuté par les gardiens. Je vois maintenant l'erreur que j'ai commise, mais je ne parviens pas à me sortir de mes proches de la tête. Voir ma femme et ma fille à nouveau ne me débarrasserait pas de ces regrets. Je veux donc que tu y mettes fin. Petite pierre universelle. C'est vrai que les quêtes annexes là, enfin les petits bonhommes, les petites quêtes comme ça, je trouve pas ça très passionnant. Ouais, ça c'est mon ressenti pour le moment en fait, par rapport à de nombreux RPG, c'est vrai qu'elles sont pas folichonnes comme quêtes. Ah, désolé, j'avais pas vu le petit. Des fois, on les voit pas, vu qu'ils sont vraiment petits. Là, pareil, le truc qui bouge pas. Hop, bonjour. Là, il bouge. Chemin en détail, ils sont pas très longs non plus, donc ça va dans l'ensemble.
物理法則がおかしいの。頼むぞ。合わせるぞ。世界を変えるか。違いがないか探してみましょう。 Je trouve que l'histoire du jeu dans l'ensemble c'est plutôt cool, mais ouais, tout ce qui est quête annexe c'est vraiment facilité, on va dire. Désolé, petit monstre, t'étais passé au travers. On va explorer un petit peu avant ce qu'il y a par là. Oh non! Mince. Je voulais revenir en arrière, moi. Oi! Juta, arrête! Omaewa. Tu es ce gardien de tout à l'heure? Comment as-tu fait pour entrer ici? Pourquoi es-tu venu? On m'a demandé de te sauver. Me sauver? J'ai déjà été sauvé. Par mes recherches. Elles m'ont sauvé. Et elles sauveront Emilia. Kagashi. Elles sont toutes là. Nani. Qui? Des âmes en colère. Des âmes vengeresses. Des âmes tristes. Tant d'émotions affluent. Elles disent qu'il leur a fait des choses horribles. Ça fait mal, Kagashi. Mon cœur me fait tellement mal. Non, là j'ai fait idiot, je voulais revenir en arrière. Mais... Je sais. Accroche-toi. Je vais les libérer. Oh my. Combien de vies as-tu prises au juste? Je n'ai tué personne. J'ai juste fait bon usage de ce qu'on m'a donné. C'est affreux. La colère, la haine, la douleur laissée dans leur sillage. Tu ne les sens pas du tout, n'est-ce pas? Sentir? Sentir quoi? Qu'est-ce qu'il y a à sentir? Quoi? Tais-toi! Tais-toi! Je fais ça pour amener Emilia. Tu ferais la même chose si tu avais perdu quelqu'un que tu aimais. Ne me mens pas, tu sais que tu le ferais. Tu le ferais.
Quoi? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que tous ces grondements? Au nom de... Ah non, je suis vraiment désolé, j'aurais dû... Il y a peut-être un coffre que j'ai raté ou un truc comme ça. Rien de plus que les ombres de ce qu'elles étaient autrefois. On ne peut même plus les faire traverser désormais. Laisse-moi porter pour toi le fardeau de tes souffrances. Laisse-moi y mettre fin. Oh, le fail de l'attaque. Déjà, je veux juste découvrir un peu la map. Ok, il y aura peut-être d'autres trucs à faire après. Super vitesse, j'ai l'impression que c'est les Beyblades. Augmente l'affinité lorsque les compétences atteignent les ennemis, augmente les chances de coups critiques, la puissance critique des compétences, augmente l'attaque lorsque les compétences atteignent l'ennemi, augmente la puissance des compétences. Ouais, non, rapidité, ça m'intéresse pas plus que ça. Si ça avait permis de recharger plus vite les... Si ça avait permis de recharger plus vite les attaques, ça aurait pu être cool. Pas contente, ça grogne. Oh, m'empoisonné. Fuis, 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 fuis Kagashi. Et bah on va repasser sur sur la petite DIA hein. Pas forcément la plus puissante DIA, mais ça j'ai raté. Mais moi je peux garder mes distances avec DIA. Pourquoi j'ai perdu du pouvoir alors que j'étais bien?
Ok. Odia m'aura bien aidé sur les deux combats là. Juta est parti. On a gagné un niveau. Ce qu'on va faire, c'est que déjà on va revenir un peu en arrière. Et Edita nous a bien aidé sur les deux boss là. On va finir cette petite. Alors l'épisode va être un tout petit peu plus long que d'habitude. Mais on va finir cette zone là. Comme ça je pourrais m'entraîner un petit peu en off pour regagner d'autres points. Voilà, il n'y a rien. Pierre universelle. Par contre, on n'a pas revu Mayura depuis tout à l'heure, donc j'espère qu'il va pas la transformer parce que nous, moi j'aime bien Mayura. Voilà, je pense que je peux pas l'ouvrir. Dans le monde des morts, je peux pas l'ouvrir. Tu paieras pour tes crimes. Non! Non, non, ne m'approche pas! Non, s'il te plaît, arrête! Ta femme n'a jamais voulu tout ça. Tais-toi! Qu'est-ce que tu en sais? Rien! Tu ne sais rien. Rien du tout. C'est toi qui ne sais rien. Je prie pour que ta bien-aimée puisse renaître. Ah! Emilia! Il est en train de craquer le monsieur. Juta! C'est fini.
Luta ne te retiendra plus ici. Je voulais juste que ma femme revienne. Je voulais... Je voulais la revoir. C'est tout. Emilia. Oui. Toujours les gardes, pas très loin. Mais pendant ce temps-là, Mayura a disparu. Je t'aime, Juta. Je t'aimerai toujours, même dans ma prochaine vie. Non. Est-ce que tout ceci te convient? Seras-tu capable d'oublier ça et d'aller de l'avant s'il reste en vie? Oui. Je crois qu'il a fait un premier pas sur un chemin meilleur. Je le pense aussi. Merci. Je pense que je peux passer de l'autre côté par moi-même, maintenant. Bon. Merci. Après, il y a peut-être un coffre de cachet aussi là-dedans, dans le labo. Yo. Beau travail, Kagashi. Mais où Mayura est-elle allée? Yeah. Elle est partie suivre une autre piste. Je ne l'ai pas vue depuis. Il est possible qu'elle soit retournée chez Juta. Quand elle peut éviter de faire son rapport. Si tu la vois, dis-lui qu'elle doit venir me raconter ce qu'elle a trouvé. En attendant, je dois vérifier quelque chose. D'accord. Compris. Oh, hé, Kagashi. Nous sommes censés saisir tout le matériel que ce type cachait. Ce sont les ordres de Seigneur Léo. Je suis venu t'aider. Non. Est-ce que tu as vu Mayura? Mayura? Non. Bon. Kagashi? Mayura? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te parles à toi-même? Il m'a semblé entendre quelque chose aussi. Masaka. Cela semblait proche. Il y a une porte derrière. J'espère qu'il l'a pas transformé. Pourquoi? Ça pue ici. C'est quoi cet endroit? Oui. Eh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah. Ouais, moi. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un repère secret? Waouh, cet endroit. C'est une morgue. Ce sont toutes les personnes qu'il a enlevées pour ses expériences. Non. Elles doivent être identifiées, pas vrai? Je vais t'aider. Kuna! N'approche pas! Qu'y a-t-il? Tanom. Juste n'approche pas. Il ne faut pas que tu vois ça. Nani? Qu'est-ce que tu... Masaka. Non. Déjà, je vais juste revenir en arrière. Mais bon. On sait ce qui va se passer, hein, ça va être Mayura. Enfin, on suppose. Par contre, les temps de chargement, la catastrophe. Il n'y a rien ici. Ok. Alors maintenant, l'Arche de l'Espoir veut entrer sur le marché de la résurrection. Blablabla, ok. Là, l'épisode va être vraiment un peu plus long que d'habitude. Il y aura un petit peu de rab. Et donc, on a entendu la voix de Mayura. Avant, il dit n'approche pas, mais bon, la salle est quand même un peu petite.
l'une des nôtres, une gardienne. Comment ? Mayura. Non. Dis quelque chose. S'il te plaît. On a entendu sa voix, elle doit pas être loin. Enfin, son âme doit pas être loin en tout cas. Cesse de faire honte aux gardiens. C'est un scorer dans Harry Potter. Malheureusement pour tous les autres, la vie continue alors que... Pour Kusho et Kagashi, ça s'est un petit peu arrêté. Ah. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est le voyage de 7 jours, j'avais oublié. Le jour où les gens envoient leurs prières dans l'au-delà. C'est comme s'ils aidaient tous à l'envoyer de l'autre côté. J'espère qu'elle peut les entendre. Elle n'est pas du genre à rester, mais je pense qu'elle a quand même un ou deux regrets. Après tout, elle était ni plus ni moins qu'une perfectionniste. Sachant que c'est notre dernière chance, une partie de moi voudrait être égoïste et aller lui demander. Mais si elle avait des regrets, je ne pense pas que je serais celui à qui elle les confierait. Si avec quoi que ce soit, c'est à toi qu'elle parlerait. Non. Veux-tu aller au marécage Kiro à ma place? Elle aimait vraiment cet endroit. Peut-être qu'elle est toujours là. S'il te plaît, Kagashi. S'il vous plaît, je veux sauvegarder. On va retourner à Deto.
Et on va s'arrêter là pour cet épisode, les amis. Je suis désolé pour la longueur, mais je voulais finir ce petit chapitre pour pouvoir ensuite faire un petit peu de off, récupérer des pierres d'épée, etc. Enfin, des pierres. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Oninaki. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.